Bonjour, je viens de regarder le dernier épisode de la saison 3 d'Aventure et il est juste énorme avec... Déjà c'est un final, mais dedans, Théo qui après a plein d'échecs, et bien, il nous sort deux réussites critiques durant cet épisode, qui est d'ailleurs un épisode de plus d'une heure, qui je crois est le plus long épisode d'Aventure qu'on ait jamais eu, déjà. Puis deux réussites critiques de Théo qui fait des trucs magnifiques. Grunlake qui nous sort un échec critique à un moment vital, en mode « Ok, d'accord, c'est le chien le plus important, 98 !» Putain. Et puis, ça allait avec le père de Bob, qui a fusionné avec la lumière. C'est un peu un seigneur des ténèbres et de la lumière, c'est juste énorme. Et puis cette fin, où le choix, Grunlake, le dilemme de Grunlake. Putain, je veux mettre des dilemmes pareils dans mes jeux de rôle. Il faut que je mette des dilemmes pareils dans mes jeux de rôle parce que c'est énorme. C'est juste énorme. Et la fin avec Maillard qui raconte les conséquences et tu te dis... Déjà, les conséquences, c'est énorme. Et on n'a entendu plus parler d'eux, mais on aura encore besoin des aventuriers. Ça sous-entend qu'ils vont revenir. Peut-être pas tout de suite, mais ils vont revenir. Et il y a tellement de choses énormes. Je suis réaction à chaud, mais c'est génial. Aventure, c'est génial. Vraiment, je remercie l'équipe pour ces moments qui nous font vivre, pour avoir fait découvrir le jeu de rôle, pour faire vivre des moments comme ça. Merci Maillard aussi. Enfin, merci pour l'équipe d'aventure, mais merci à Maillard et aux 4 joueurs. Merci à tous.